Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce lundi 15 mai 2023, il est 18h50, heure de Boston. Je fais cette vidéo pour me prononcer sur le recrutement actuel au sein de nos forces de défense et de sécurité guinéennes, communément appelées armées guinéennes. Depuis quelques semaines, nous constatons des recrutements au sein de l'armée. Comment voulons-nous que notre armée soit républicaine? À chaque fois qu'un président est là, ce président va recruter des badauds sans aucune base légale, sans aucun besoin exprimé par l'armée, excusez-moi. Et comment on peut réussir avoir une armée républicaine à cette allure. C'est triste, c'est révoltant. Je pense que les intellectuels de l'armée guinéenne sont complices de ces recrutements. Parce que d'abord, nous avons déjà un effectif pléthorique dans cette armée guinéenne. Un effectif qui ne sert à rien. Un effectif budgétivore. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas menacés par les terroristes, nous ne sommes pas menacés par aucun groupe du mal. Alors, l'effectif que nous avons aujourd'hui, police, gendarmerie, armée, l'insécurité règne à Conakry à ciel ouvert. On est incapable de sécuriser la population. Avec cet effectif pléthorique. Alors pourquoi allons-nous recruter encore? Pour quel objectif? Pour quel fin? J'ai l'impression que les gens vont dans l'académie militaire juste pour se promener et prendre l'argent de la Guinée à aller distribuer la baie du Tilba. J'ai comme l'impression qu'à Guinée, plus on est intellectuel, plus on est malhonnête. Et au niveau des civils et au niveau des militaires. Sinon, l'armée devrait refuser d'être au service des mauvais chefs qui ont la chance d'accéder à la tête de la Guinée. Pour la petite histoire, en 2008, lors de l'accession, le coup d'état militaire survenu après le décès du général Lassara Conté, le CNDD est venu faire des recrutements de l'armée. Un recrutement ethnique, juste pour consolider le pouvoir dont vous protégez la population dans la Guinée. On a vu la fin de ce pouvoir. Et quand le général Sekouba a pris les rênes de la transition après le capitaine Dadis, le général Sekouba aussi a recruté en même temps que Dadis, tous des recrutements ethniques. Je crois qu'il a convenu avec les Nations Unies pour pouvoir organiser cette armée. Les Nations Unies ont débloqué au fond, mais ils n'ont pas remis à la transition de Konaté. Ils ont attendu que le président Alpha Condé soit élu pour amener ce fonds en Guinée pour pouvoir organiser cette armée. Alpha aussi, dès qu'il est venu, il est parti recruter ses hommes à lui. À caractère ethnique de mettre dans l'armée. En 2015 aussi, il a recruté. Si j'ai bonne mémoire, Alpha a recruté même en 2018 ou en 2020, si j'ai bonne mémoire. Lui et son ministre de la Défense. Les Nations Unies ont débloqué des millions de dollars pour venir organiser cette armée pour qu'elle soit républicaine. Les autres nous aident pour arranger notre armée et nous, on détruit notre armée pour des intérêts personnels. C'est dommage. C'est très dommage. Donc aujourd'hui, Mamadi aussi vient avec son ministre de la Défense en train de recruter à caractère ethnique. C'est pas normal. Moi, tout ce qui est ethnique, je combats ça et je combattrai. Tout ce qui est ethnique. Parce que c'est pas une solution pour une nation.
Excusez ma voix, hein, je suis arrivé, j'ai l'allergie et ça me fatigue. C'est dommage, c'est triste. Mais ce qui n'a pas marché avec Tadis, ce qui n'a pas marché avec Alpha, ne marchera avec Mamadi. Ça ne marchera pas. Parce que déjà, c'est la trahison. Vous savez, chez nous, on aime dire souvent que de tout le monde donner public, c'est prendre l'argent public, mettre dans un compte privé, ou acheter des voitures privées, ou acheter, ou construire des maisons privées. Certes. Mais ça, c'est une autre forme. Prendre l'argent public, l'utiliser à des intérêts personnels, comme ce genre de recrutement. C'est une façon de pillage de ressources. C'est ce qu'on appelle dilapidation de ressources. C'est punissable. C'est très dommage. C'est très dommage. Mais ce que Mamadi et ses collaborateurs oublient, vous êtes en train de trahir la Guinée, comme l'ont fait vos prédécesseurs. Vous n'allez pas réussir. Vous êtes en train de créer un deuxième Kakaléa. Ça ne marchera pas, Mamadi. Si vous voulez recruter toute la Haute-Guinée, ça ne vous servira à rien. Parce que quand on trahit, la trahison n'a jamais été bénéfique. Je vous dis une chose, quel que soit le président à Guinée, tu veux recruter uniquement les gens de ta communauté, ou tu veux recruter tes amis qui n'ont plus d'avenir, ou tes parents du village, tu ne réussiras pas. Si c'est un Guinée de la moyenne Guinée, tu recrutes toute la moyenne Guinée, tu ne réussiras pas. Si c'est un parent de la basse-côte, tu ne réussiras pas. Là où les deux, les trois présidents prédécesseurs n'ont pas réussi, ce n'est pas vous qui allez réussir quand même. Mais c'est vraiment dommage que les intellectuels continuent à recruter dans l'armée uniquement pour consolider leur armée, non par besoin. C'est dommage. Moussoumé la Guinée, ton houlou. Djam fa ba la to ta ko sa djam fike as la wawi djam fa ta wadu sa djam fike ko debu debu ayo bay to hulu la to ta ko fiw bare la gidi ke o tan de re bara ko to fili gifera ona ko to fili e mo reussi ba Alpha Dalis Mourosi de Nani Mourosi Mana. Et Wamaya, c'est un gars qui est bien recruté à son armée, qui est Mourosi Mana. Une y a fait à son fille. Il a fait. Nibi c'est dans la couille. Il a fait Mourosi Mana. Jamais. Kaila Alara. Lara, il a fait Mourosi Mana. Et il a fait dans la bafée. Même ma Russie Alpha là, à ma Russie Dadis, la Russie Tol l'a dit. L'Ali a fait, Ali Wal Brabol bien recruté. Alors la village bien recruté, t'es bien. Parce qu'Ali Ben Ali Diafa là. Diafa te marche là. Il bat Diafa que. Il se voit télé-clé téléphone. Mais il dit ça, ici Boubero. Donc, à la recrutement, Diafa, c'est la trahison envers la nation, c'est la trahison envers le peuple. Mais vous allez le mériter. Vous n'allez jamais être heureux dans cette affaire. Donc, chers compatriotes, voici un peu mon coup de gueule dans cette affaire. C'est triste et malheureux. De toutes les façons, moi je sais que cette affaire-là, c'est déjà vers la fin. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse anéantir tous les Guinéens qui trahissent ce peuple. Et qui pensent tromper les gens, mais Dieu les voit. Amen. Je vous remercie.